Le plus lourd, celui qui n'est pas cassé, c'est le plus lourd, léger, assez lourd. Lui, il est plus lourd que celui-là. Léger, le plus léger. Encore deux fois. Deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Les deux petits là sont plus lourds que les trois ici. C'est du plastique costaud. Il y a un trou. Je sais pas si on voit le trou. Ouais. Pour passer l'eau. Et tout est complet. Les 4, 6, 6 pièces. Et les trois suppléments que j'ai rajoutés. C'est plus petit que j'avais prévu. Et c'est beaucoup plus gros que j'avais prévu pour cela. Je pensais deux à trois fois plus petit. Mais ça va être assez grand pour mettre de vraies plantes. Comme ici, par exemple, si je prends une fausse plante ici, qui venait en même temps. Avec des fausses herbes. En forçant, je peux le faire rentrer. Celui-là, par contre, il est à peu près la même taille. Donc, on va mettre une vraie plante dessus. Celui-là. Celui-là, je garde comme ça parce qu'il y a. C'est en plastique, hein, mais le pot, il est.
Il est tellement bien. Il est bien fait. Avec des fausses herbes. Donc il est assez bien fait, donc je le laisse. Je le laisse comme il est à l'origine. Sans s'amuser à le mettre ici. Pierre lumineuse, 300 pièces par sachet. On va l'ouvrir. Pots. Il y a un petit trou pour laisser échapper l'eau, pour mettre des vraies plantes avec des cailloux, du sable, tout ça. Mais moi je vais mettre des pierres lumineuses, 300 pièces par sachet. Donc, le croc, on va mettre. Normalement c'est couleur vert. Voilà. On dirait c'est du jaune. Bon. On va déverser les 300 pièces dessus. Voilà, c'est ça. Et maintenant, on va déverser celui-là un peu plus petit. Couleur blanche. Ah, on dirait qu'il y a moins. On dirait qu'il y a beaucoup moins. Parce qu'un paquet, j'ai pu le remplir, celui-là, sans rester. J'ai pu complètement remplir. Alors qu'il a l'air plus petit au niveau circonférence. Alors que, voilà ce qui me reste. Le blanc ne me reste plus rien. Alors que c'est beaucoup plus large. La profondeur, non, il y a moins on dirait, pour le blanc. Et maintenant, pour mettre, j'ai la version bébé. Voilà, et voilà, par rapport à cela,
En résine. Ça va, ça ne coupe pas la main, c'est très bien. La taille, il fait à peu près 10 cm de long. 10 sur 6, 7 de haut. Le toucher est rugueux, c'est bien. Un peu pointu, le nez cassé là. C'est creux derrière. Bon, le crâne. On passe à la suite. C'est une montagne, rocher normalement. C'est bien protégé. Avec des mousses et des bulles. Vraiment la protection est bien. Et des petites maisons. Protéger avec la mousse, plus sachet, plus papier, plastique bulle. Par contre là, ça pique un peu, c'est assez pointu. Il y a des pointes qui piquent beaucoup. Il faut que je lime un peu. C'est pas mal au niveau couvert. Mais le détail de réaliste, c'est pas tout à fait ça, mais ça va.
Non, c'est pas très réaliste. Il y a du plastique de colle. Plastique de colle qui sont assez pas très propres. Mais c'est du costaud. C'est du costaud. Ça tient bien. C'est pas super réaliste, mais c'est bien. J'ai un bout qui est parti. De quelque part. Donc c'est des résines de décoration pour les aquariums pour les poissons. Du coup je me rappelle plus c'est quoi. J'ai oublié, je me rappelle plus. Ah, c'est un pont à cailloux, crochet, pont que j'aime beaucoup normalement. Par contre, c'est très mal fait au niveau mousse herbe. C'est juste de la peinture verte, sans aucune réaliste. Normalement, il devrait mettre des tout petits mousses, des petites herbes. De fausses herbes en plastique, mais là c'est juste de la peinture, colle plutôt, de la colle de peinture. C'est très mal fait ici. Donc c'est vide comme d'habitude. Le rocher il est bien, c'est juste la peinture, la colle verte qu'ils ont mis pour l'effet de l'herbe qui est très mauvais. Vraiment c'est mauvais goût. Voilà. Les trois petits objets. J'ai un cran qui est arrivé un peu plus tôt, que je vais vous montrer. Est beaucoup plus grand. Voilà. C'est une montagne de cascades. Là, on peut voir quelques graines de sable blanche pour faire l'effet de cascade. Normalement, il y a un paquet de sable blanche avec qui fait la chute d'eau avec des graines de sable. Donc, il faut un moteur. J'en ai pas. J'avais pas du tout capté que pour faire le truc de cascade, il faut une pompe électrique avec un tuyau. Je retire le tuyau, je bouche le trou en espérant mettre du sable. J'ai pas encore de solution pour faire la cascade sans eau. Donc, pompe pour passer l'eau qui sort ici, qui injecte l'eau pour faire couler le sable blanc. 44 euros cette pièce qui fait 28, 26, 28 centimètres de haut. C'est pas mal. Il fait son petit poids, c'est pas super lourd, hein, mais c'est il fait son poids quand même avec du plastique ici. Voilà. Et là c'est beaucoup plus petit, donc c'est beaucoup moins cher aussi par rapport à celui-là. Voilà, la taille entre quoi, combien de centimètres? Je vais vous dire. Il fait du 22 centimètres, moins de 22 centimètres. Pour être exact, 20 centimètres, 21 centimètres, moins de 21 centimètres de haut sur 15 centimètres de large. Alors que celui-là doit faire 26, 28 centimètres de long, de haut. On va voir tout de suite. Voilà. Ah oui, 31. 30. Si je tiens 3. 30 cm de haut sur derrière. Sur 15 cm de large. Vous voyez une grille ici. Pour faire passer l'eau
sans que le poisson puisse rentrer dedans, puisque c'est pour les aquariums. C'est des décos pour l'aquarium. Pour le crâne, je disais 10 cm sur 7 environ. On voit 13 cm de long sur une hauteur de 7 cm de haut. Et le pont, 12 cm peut-être. 14 cm. 14,5 de long. Sur 5 cm de haut pour le pont. Voilà. Comme je disais, j'ai pas l'aquarium, c'est juste pour la déco, pour les prises de photos dans un environnement de paysage, montagne, herbe. Voilà.